réfléchir. Moi, je vais récolter tous les trucs que je vois dans le coin. Casse-toi, toi, casse-toi. Ouais, donc le temps que je récupère ça, je vais vous laisser réfléchir. Arrêtez de dire que je vais mourir! S'il vous plaît. S'il vous plaît. De toute façon, je veux pas mourir. Parce que il se passe quelque chose la première fois qu'on meurt. Je vais laisser découvrir à ceux qui ne savent pas. C'est pas une safe zone. C'est pas du tout une safe zone, Hoffman. Bah, peut-être dans l'avion, on va dire. Je sais pas. Peut-être dans l'avion. Oh putain, on est à côté d'un village. Attends. Je vais réparer l'avion avec des troncs. Eh, franchement, eh, on va se lancer là-dedans. On va se lancer dans une aventure aéronautique. Je vais récolter. J'avais pas qu'il y avait un village juste à côté de l'avion. L'avion, il arrive toujours au même endroit ou quoi? Va à la plage. Ouais, mais la plage, ça me demande de marcher. Ça me demande de marcher. Et moi, marcher. Peut-être que je vous montrerai une carte. Attendez, j'ai cru voir un truc bouger là. J'ai l'impression que durant les premiers jours, en tout cas le premier jour, il y aura pas de, il y aura pas de choses dans la forêt. Attendez, attendez. Loupé. Putain, mais comment tu fais, Roussian? J'arrive pas à les choper, moi, les petits piafs. Putain, il y a encore plein de trucs à récolter. L'avion arrive au hasard sur la map. Ah ouais, peut-être. Bah, je sais pas. Ça me semblerait pas étonnant. Mais je ne pense. Bah oui, attends, attends. On n'avait pas vu ça la dernière fois. On n'avait pas vu le putain de village. Attendez, les villages, ça fait spawner des gens ou pas? Grand. Question, question. Question sérieuse. Est-ce que je vais quand même pas faire mon. Oh, une balle. Via le bruit, de quoi le bruit tu parles? Je sais pas s'il faut. En fait, je sais pas si plus on s'enfonce dans la forêt et plus il y a de monstres. Pas de monstres. Plus il y a de gens. Ou alors si on reste sur la périphérie, il y aura peut-être moins d'ennemis. Après, en même temps, ce qui s'est passé après 8 heures de stream la dernière fois avec les gars, je vous rappelle la longue soirée qu'on avait passée sur le jeu, on en avait vu des choses. Des choses pas très sympathiques. Et alors qu'on était sur la côte, quoi. Donc je pense qu'au bout d'un moment. Putain, mais tu. Le crash attire les premiers indigènes. Je t'emmerde, Obsedo. Obsedo, va te faire enculer, Obsedo. S'il te plaît. En toute sympathie. Putain, il y a des trucs partout. J'ai perdu l'avion. J'ai perdu l'avion. Les gars, j'ai perdu l'avion. Ah, la panique. Les villages sont totalement inhabités. Les sauvages ne m'habitent pas dans les villages. Tu es sûr de ça, Benoisette? Tu es sûr de ça? Franchement, mon plan de construire ici, moi, ça me va. Hein. Attends, attendez. On va récolter un peu de bois. On va voir ce qui se passe. On va passer une nuit. On va passer une nuit. Je vais récolter quelques trucs pour faire un feu de camp et compagnie. À moins qu'on pourrait se faire une cabane. Attendez, c'est quoi ça? Ah bah voilà, de la bouffe! Ah non, c'est des chiffons. C'est pas de la bouffe. Oh là là, c'est la merde. C'est la merde. Bon, qu'est-ce qu'on. Franchement, je sais pas. Je sais pas si on construit ici. Ou alors si on se taille. À vrai dire, faudrait trouver de l'eau assez rapidement. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai des boissons. Je vais. Pff, mais ça sert à rien que je prenne du bois maintenant, en fait. Ah, oh, je sais pas quoi faire. En tout cas, je prends du petit bois parce que ça, je peux le stacker. Et quand j'aurai besoin de faire un feu de camp ou une connerie de ce genre, au moins je serai prêt. Je vais aller récolter les tissus. Est-ce que les tissus, c'est utile à plein de choses? C'est pas utile pour. Pour non, pas l'arc. Les torches. Voilà, les torches, c'est utile pour les torches. Moi, j'aimerais bien qu'on s'y remette au stream de. Il faudrait se coster. J'ai une canette pour faire plus RP dans le jeu. C'est vraiment l'une des seules fois de ma vie où j'ai pu jouer à The Forest. Oh, ils ont fait des chaises! Je savais pas qu'ils pouvaient faire des chaises. Va au village. Pou. Il y a un truc là-bas, c'est une chaise? Attendez, là. Là. C'est un mec? C'est quoi? Mais il est super grand. C'est quoi? Ah, oh, c'est un mec mort. Oh putain de merde. Il y a un varan, il y a un varan. C'est pas le village principal ça? Et qui dit village principal dit. Ah putain, je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond, j'ai commencé à stacker. Putain, il y a des cadavres partout. Je vais pas rester ici, les gars. Je vais pas rester ici. Oh, c'est quoi ça? De la bouffe, de la bouffe. Attends, on va faire un stack de bouffe. On va faire un stack de bouffe et moi je vais assez vite partir d'ici parce que j'avouerai que cet endroit. Non, mais reste pas ici. C'est ce que je pensais, autruche. L'autruche. Je me casse. Oh, une grotte! Ça vous dit on va dans la grotte? Ça vous dit on fait le camp dans la grotte? On fait le camp dans la grotte. On va se tailler.
Oh putain! Dis pas salut, Arsox, c'est la merde! Voilà, je suis en état de panique. J'ai vu un monstre, je suis en état de panique. Ce jeu m'angoisse, vous avez pas idée. Ça, franchement, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, comme ça, une forêt vachement dense, sur laquelle tu vois pas à une dizaine de mètres, où les feuilles. Où les feuilles camouflent les mouvements de tes ennemis. Ah, ça me. Ah, je te raserai tout ça. Parce que là, je peux me faire surprendre en fait. Je casse. Quand dans la grotte, gars mort dévoré par des monstres après s'être violé pendant 8 ans. Ok, je vais pas aller dans la grotte. Je vais pas aller dans la grotte. Tiens, je regarde le wiki, notamment les différents spawns de l'avion, je lis. Ok. Bon, on va essayer de rejoindre la côte. On va essayer de rejoindre la côte avant qu'il fasse nuit. De toute façon, j'ai un petit peu de bois avec moi. Je pourrais peut-être me faire un camp. Là, mon objectif, c'est vraiment. De pas de trop. De pas user. Comment dire? De pas user totalement ma stamina pour fuir au cas où. Ce sera un de mes objectifs principaux de cette soirée. J'ai vu ma vie défiler. Et c'était pas terrible. Oh, le frisson que ça m'a donné. Oh putain. Casse-toi, toi. Faut que je trouve un camp. Faut pas que je trouve un camp. Faut que je trouve. Putain, mais je tombe de grotte en grotte. Je tombe de grotte en grotte. De grotte en grotte. Pourquoi je mange. Ta gueule. Assoiffé, trouver de l'eau potable. Il va exploser avant la fin du stream. Avant la fin du stream, je vais vomir. Voilà. Je vais vomir et me chier dessus. Casse-toi, forêt! Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout où je vais. Et tu sais, là, plus le temps passe et. Si je trouve pas un spot sympathique dans les minutes qui viennent, il va faire nuit. Et. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est un pivert! Pivert? Comment il a fait pour jouer à ça en VR, Scadur? Comment il a fait? Scad, dis-moi. C'est son anus artificiel qui l'a aidé encore. Oh, c'est un petit. On dirait un petit. Oh, attendez, c'est plus clair ici. Ne cherche pas à fuir, Mathieu. Tu as raison, Nicolas. Oh! C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? C'est une. C'était. C'est un cerf? C'est un cerf ou c'est pas un cerf? Oh putain, encore un camp. Parlez-vous avec Cocon! Franchement, je sais pas si on va tenir 1 heure. Hein. Enfin, deux. Sûrement des rats. Ouais, des rats qui font 1,50 m de haut. C'est un putain de gros rat quand même. Oh, attendez. Là, on voit mieux. On voit mieux. Oh! Là, 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 je me taille, je me taille, je me taille. Je me tâche pour courir alors. Je peux courir à l'envers, ce qui est super dur à faire. The Cave, t'es con. T'es con, Netovitch. Oh putain, là-bas. Mais il y en a partout! Je veux juste trouver un coin safe pour. Pff, en plus, la vie, elle me pisse dessus. Non. Trop safe. Je prends une gorgée pour la peine. Casse-toi, le vent. Bon. Ça fait un quart d'heure. Nous ne sommes toujours pas morts. Je vais quand même pas mettre là. Là, ça serait galère, en fait, pour trouver du bois. Que le but, quand même, c'est de, au bout d'un moment, de construire quelque chose. Donc, pour construire, il faudrait un coin. Oh, attendez. Là, c'est pas mal là-bas. Mais fais pas genre tu t'es abîmé. Ah, oui, mais déjà en panique alors qu'il a même pas passé une nuit. Ah, il y a des nuits dans le jeu? Il y a vraiment des nuits?
Je suis déjà tombé de ma plus haut, ouais, c'est vrai. Je vous rappelle que je tombais dans le cratère. J'ai réussi à survivre. Voilà. Je suis sûr que c'est une espèce en voie de disparition. Oh, un lapin! Bon, moi, j'aurais trouvé de la viande. Un trophée. Je sais pas trop à quoi ça sert. Oh, regardez, c'est trop bien! Non, mais par contre, reprends la hache. Faut pas déconner. Et ça a l'air pas mal là-bas. Ça a l'air sympathique. Il y a même de l'eau. Vous croyez que je peux la boire, cette eau-là? Je pense pas. Allez, tu vas pas me faire ta. Fais une maison dans un arbre. C'est le but. Moi, je veux faire je veux faire une maison dans. Je veux faire une maison dans un arbre. C'est hors de question que je vive à même le sol. Enfin, c'est inconcevable. C'est tout simplement inconcevable. Mais là, il faut bien passer la première nuit, en fait. Il faut trouver un coin safe et passer la première nuit. Enfin, un coin safe. Un coin que tu penses pouvoir défendre assez efficacement. Vous croyez qu'il fait bientôt nuit? Oh, un avion! Vous voyez, je suis pas fou, il y a des avions. Je suis pas fou. Vous croyez que c'est bien ici, là? Les gars, vous croyez que c'est bien? Est-ce qu'on essaie de... Un lapin là-bas! Est-ce qu'on essaie de passer la nuit là? Attendez, on va essayer. On va, je sais plus comment ça marche. On va construire un abri temporaire. On va le mettre là. Ok. C'est bien? Je sais pas. J'ai pas le temps de lire récemment ce que vous avez dit. Il faut que je trouve des petits arbustes. Bien sûr, je me mets dans un coin où il n'y a pas trop d'arbres. Au moins, je verrai les ennemis arriver. Mais au passage, j'ai pas de matière première. Donc, c'est génial. Pourquoi pas une maison sur l'eau? Tu peux faire ça? Je sais pas. Il faut que je trouve un bâton encore. Y a pas un bâton dans le coin? Ouais, ça m'a l'air bien ici. C'est assez grand. Il y a la montagne en face, en fait. Oh putain, regardez ce qu'il y a là-bas. C'est ma plage! Ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Maison sur l'eau, je crois que tu peux parce que tu as la capacité de mettre des rondins à même le sol. Et je pense que tu peux à moitié tricher. Tu peux à moitié tricher et mettre tes trucs sur l'eau, tout simplement. Sauvegarde. On va sauvegarder. C'est mon première sauvegarde de fête. On va faire un truc que j'adore, c'est des feux. Je suis un ami des flammes. Je suis un ami des flammes. On va essayer de pas mourir. Ok, il me faut encore des bâtons. Putain, je suis jamais été aussi en déche de bâtons de ma vie. En gros, dès que tu vas couper des arbres, ça va les attirer. Des gros ou des petits? C'est ça la question. Est-ce que des petits arbres va les attirer? Ça, c'est pas un arbre. Ça, c'est un arbuste. Ça, c'est. C'est pin-up quoi. Ça dans la faune et la flore, ça vote pas. Un arbre, ça vote pas. Alors il ferme sa gueule. Un varan non plus. Alors le varan, il va crever. Ouais, casse-toi. Donc dès que je vais couper des arbres, déjà je vais faire mon petit feu. Voilà. Parce que le petit feu, ça ravit toujours. Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, j'ai l'impression qu'il me reste pas mal de temps. J'ai un peu paniqué. Putain, il y a un village là-bas. Qu'est-ce que je fous avec leur putain de village? J'ai pas mal de bouffe pour les premiers jours. J'ai même de l'alcool. C'est génial. Les petits arbres font que tu auras moins de lapins, lézards, etc. Ok. Ok, je vois. Mais est-ce que ça va attirer les gros? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour faire une cabane dans l'arbre? Je vais regarder. Parce que moi, vraiment, comme je disais, c'est parfaitement inconcevable que je vive à même le sol. Je me pousse. C'est ça? Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Ok. 35 rondins. Il faudra que je me mette. Peut-être qu'il faudra que je me mette là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Il fallait des rondins et quoi d'autre? C'est quoi ça? Attends. C'est de la corde? J'en ai à avoir de la corde. Peut-être que je vais essayer de chasser un. Ok, je veux pas chasser. Qu'est-ce que je pourrais faire le temps qu'il fasse nuit? La bouffe, j'en ai. Je pourrais peut-être essayer de faire cuire quelque chose en fait. Est-ce que j'ai des trucs à cuire? Ça cuit ça? Attends. Je suis pas très fin, mais au moins ça fera de la bouffe. Les petits. J'essaie d'ouvrir. Soyons optimistes, tu vas crever. Non. Jamais. Je suis en train de repérer comment je pourrais
Survivre à la nuit qui va passer s'il y a des emmerdes. Je pourrais sauter là-dessus. Là, ça, regarde, ça c'est un safe spot, ça. Ça c'est un safe spot. Peut-être qu'on ira construire la cabane là-bas. Hein. Assoiffé, trouver de l'eau potable. Mais t'as des canettes, fais-moi pas chier, voilà. Je vais aller voir si je peux boire ça. Il faudrait que je trouve de la peau de cerf, tiens, c'est vrai. Pour faire une gourde, parce que la gourde, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer. Donc ça me sert à rien. Ouais, mais crève après 1h30, alors faut respecter l'horaire. C'est vrai que ça fait déjà 20 minutes. Peut-être aller voir le village là-bas. Hein. Je vais aller prendre mon lézard là, avant qu'il crame. On va faire une petite virée au village. Et y a pas des trucs de défense que je peux faire avant la nuit là? Des porte-bâtons. Ça c'est cool ça, c'est génial. J'ai vu des serveurs de 40. 40 joueurs, putain. Ce qu'on va faire, c'est... J'ai pas de bâton. Putain, il m'a fait peur, lui. J'ai pas de bâton, donc je pourrais pas faire de torche. Et là, il va commencer à faire nuit. Des serveurs de 40, ça va être pas mal pour démystifier un peu le jeu, putain. Il y a encore une forêt. Mais je crois que les arbres, ils repoussent. Hein. J'avais cru lire ça, que les arbres repoussaient au bout d'un moment. Non, ils repoussent à l'état de bâton. Je crois pas qu'ils repoussent totalement. Moi, je vais juste récupérer ça. Je vais récupérer ça pour me faire une torche. Je vais voir s'il n'y a pas des... Putain, il m'a fait peur le lapin, il s'est projeté sur moi. Enculé! Ça m'a fait peur! J'ai vite réalisé que c'était pas une game, mais... Ça vous dit qu'on s'arrête là? S'il vous plaît, ça vous dit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des habits. C'est déjà ça. Oh, regardez! Regardez! Ça, c'est de la civilisation. Est-ce qu'on y va? On va, attendez, on va juste faire ça. Non, clic droit. Clic droit, et après clic gauche. On va faire ceci. Est-ce qu'ils ont peur du feu? J'ai l'impression qu'on va encore moins bien. On va se dépêcher. Ah bah, je suis un abruti. Je suis un abruti. Putain, mais on dirait du mazout, on voit que dalle. Non mais rallume-la pas, espèce de con. Il y a quelque chose? Ouais, je me taille. Non mais je me taille. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ça, c'est évidemment ça. Le mec arrive à nager avec une main, avec un petit briquet de merde en dehors de l'eau. Moi, je trouve ça quand même assez magnifique. Même pas 5 secondes. Je l'ai allumé, je suis rentré dans l'eau. On peut croiser des amis? Alors, ça dépend. Comment on dit? Notavitch. Si tu considères qu'un mec qui veut te bouffer peut être amical, peut-être. Sinon. Non, on ne rencontrera pas d'amis dans ce jeu. On rencontrera uniquement des choses plus ou moins abscons. Oh, ça m'a fait peur, ça. Ah, je me taille. Attendez, on voit que dalle. Je sais pas pour vous, mais... Attendez. Attendez. Je l'ai mis à fond, la luminosité. Vous voyez quelque chose, vous? Je savais pas qu'il y avait autant d'options. Bah non, je peux pas. Résolution des cavernes. Bah je m'en fous des résolutions des cavernes. Je suis déjà à fond en fait. J'ai pas fini Stalker, j'ai fini les Stalkers, Binocle. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh putain, on peut bientôt passer la nuit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'as mis, il reste un poil de cul de millimètre avant qu'on puisse passer la nuit. S'il te plaît. S'il te plaît. Comment on fait? Comment on fait? C'est bon. Pourquoi ma maison a explosé? C'est ce qui se passe tous les matins? Ah oui, c'est un abri temporaire, d'où le nom. On va. Ah!
Arrêtez! Bande de putain! Putain, je suis même pas au choix dans les options. J'ai quoi? J'ai de la bouffe. J'ai un petit peu de soda. Mon feu de camp est totalement... Casse-toi. Je vais pas leur laisser des traces de mon passage. On va aller essayer de se faire une cabane. Oh, un lapin, un lapin, un lapin. J'ai l'impression dans le jeu, en fait, que tous les matins, il y a une vague ou des ennemis qui arrivent. Est-ce qu'il faut nager? Il faut nager. J'ai l'impression aussi que les ennemis ne savent pas nager, ce qui fait que j'aurai une petite voie de secours. Donc, il me faut du bois. Il me faut du bois. Il me faut du bois. Non, attendez. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vérifie si on est, que, ce soit, que ce n'est pas une autre, mais... J'ai pas de corde. Comment on fait de la corde, les gars? S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, faut trouver des... On va commencer à faire la baraque. En espérant que je vais pas attirer trop d'ennemis. Je martèle la souris pour rien. Ça va beaucoup moins vite qu'avec SCAD. De la fibre, j'en ai pas là de la fibre. J'en ai pas de la fibre là. Il faudrait que je tue tous ces arbres de merde parce que là, je peux pas le casser lui. Si, je peux le casser. Bon, pourquoi je fais ma putain de forêt ici, moi? Attends, pourquoi je fais ma putain de cabane ici? Ça, c'est expliqué dans le scénario, genre... Je vais me casser ma cabane. Je vais totalement me casser la cabane avant la fin. C'est que le mec, je crois que c'est un expert de survie dans l'histoire, un expert en survie. Où est-ce que je vais trouver de la corde? Attention, ça finit mal les cabanes dans les arbres. Ouais, mais quand tu joues tout seul, ça va, ça va. Ça va. Bon, il m'en faut 35. Ce qui est pas énorme. On va commencer déjà à pouvoir faire le feu de camp de tout à l'heure. Au moins, je sais qu'ils vont pas m'arriver dans le cul. J'ai faim. Non, j'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai pas beaucoup faim. C'est assez relatif, la faim. Tant que ma jauge d'endurance n'explose pas à cause de la faim, moi, tout va bien. Tout va bien. Et puis, tant que j'invite pas de SCAD, c'est bon, ma maison va pas se casser la gueule. Par contre, la corde, je sais pas où je vais la trouver. Peut-être que je peux la trouver au niveau des pendus, en fait. En tout cas, cette fois-ci, on va essayer de pas se faire surprendre par... On va essayer de pas se faire surprendre par la nuit, parce que la nuit a quand même est tombée d'un coup. Franchement, si j'avais Bear Grylls avec moi, oh, qu'est-ce que je me sentirais bien. Qu'est-ce que je me sentirais bien. Allez, plus que 27. Sinon, vous, ça va? Je peux en fabriquer, je peux certainement en fabriquer, mais je sais pas comment. D'ailleurs, si vous avez des âmes charitables, si vous êtes une âme charitable plutôt, allez voir sur la magie du Internet comment peut-on fabriquer des cordes. Tu vas tomber, arbre de merde. Du tissu! C'est ça? C'est juste du tissu? Ok, bah je peux le faire. Cool. Oh là là, il est loin, lui. Il est loin. Il est loin. Je m'en vais. Je peux pas en prendre plus de toute façon. Ça veut dire, attendez, je peux le faire. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Génial. Génial. Voilà. Vous savez que là, je crains le moment où tout ce bruit va attirer des gens. Plus que 23. Allez. On lâche rien. On lâche rien, les gars. L'Internet, c'est un manuel de survie. C'est vrai que, à mon avis, c'est marqué dedans. Mais... Il y a plein de rondins par terre, en fait. J'ose tellement pas m'avancer dans cette putain de forêt de merde.
deux troncs d'arbres qui doivent peser chacun 160 kilos. Le mec est quand même sacrément baraque. Je crains le moment où quelque chose va me tomber sur la gueule. Vous croyez qu'il va bientôt faire nuit là? Putain, les 19. Ça va vite. C'était combien? C'était 35? Je suis pas sûr. Est-ce que je pourrais le faire en une journée? Ne pas se faire surprendre par la nuit. C'est. Ni par un indigène de merde. Tu vas tomber, arbre de merde. Je pense que je suis bon là en tout cas pour faire ma. Putain, il y a un coup de vent qui m'a fait peur dehors. Oh, oh! C'était un bruit de quoi ça? C'était un bruit de quoi? Vous avez entendu? On aurait dit un enfant. Y a pas d'enfant. C'est vrai, j'allais dire qu'il n'y a pas d'enfant dans cette forêt. Bah. De pute. J'ai fait n'importe quoi avec ma souris. Oh putain. Ils peuvent pas traverser l'eau. Ils sont aquaphobes. Ça vous dit qu'on fasse une cabane ailleurs? Bon là je commence à avoir faim par contre. Comment on fait un arc? Ah oui mais il faudra que je fasse des flèches aussi. Vous croyez qu'ils vont partir? Je pense que je vais préparer, attendez, je vais préparer mon abri de secours au cas où. On va, voilà. On va le mettre là. Il manque des petits bouts de bois. On va préparer l'abri de secours pour la nuit. Ouais, mais si je coupe des rondins ici, ils vont venir ici. Attendez, je vais aller chercher des... La corde, c'est bon. J'ai plus besoin d'aller en chercher. J'ai encore de la bouffe pour quelques jours. Je peux... Arc, tissu, bâton, tissu, corde. Ok. Et pour les flèches, le pseudo, on fait comment? Est-ce que là, j'ai... Ce bruit. Ah, il a écrit un truc dans le magazine. Deux feuilles récupérées, mais c'est pas des feuilles. C'est pas des feuilles que je veux. C'est du putain de bois. C'est vrai qu'il y a un camp là-bas. Putain, on y était prêts. J'espère qu'ils vont pas détruire ma maison. Les oiseaux. Non, pas les oiseaux. J'arrive pas à les buter, moi, les putains d'oiseaux. Putain, Russiane, viens m'aider. C'est intuable, les oiseaux. Surtout ce qui. T'es obligé de leur courir après, du coup t'as plus d'endurance, et c'est le meilleur moment pour tomber nez à nez face à un ennemi, de plus avoir d'endurance. Là tu es heureux. Tu es heureux, tu te chies dessus. Oh! Tu sortes? C'est vrai qu'il fait que... Ouais, c'est un peu chaud de courir après un cerf. Bah oui, bah là, qu'est-ce que tu veux? Il court plus vite que toi le coco. Non j'ai rien putain. Peut-être plus de portée avec une lance. Ah, c'est vrai que je pourrais. C'est bon, elle a accepté la mort. C'est senti. Donc plus que un, plus que un, et je pourrais faire. Je pourrais faire. C'est flippant ça. Je vais le laisser là. Je pourrais faire comment ça s'appelle? Une gourde. Mm-hmm. Ah non mais aucune pitié quoi. Je vais enchaîner la gueule. Je lui ai enchaîné la gueule à la pauvre. Bon, vous croyez que le... Comment il s'appelle? J'allais dire le tracteur. Le chariot. Est-ce que le chariot, il peut passer par-dessus les rivières comme ça? Parce que si c'est le cas... Voilà, si c'est le cas...
On va faire également ceci. Putain, il m'en manque un. Il me manque un putain de rondin. Il me manque un putain de rondin. Je crois que la vie est une pute. C'est pas des rondins, ça. J'ai pas laissé des rondins tout à l'heure quand j'ai fait mon feu de camp. S'il vous plaît, repoussez, arbuste. Bon, on va retourner voir le camp, ça va être génial. Donc, vous voyez, le traîneau, s'il peut passer. Non, je vais pas manger. Je vais vomir si je mange ça. Non, même pas. Génial. Je sais pas trop ce que j'ai bouffé, mais en tout cas, ça se digère. C'est génial. Son of bitch. Ils sont partis depuis le temps, les cocos, là-bas. À vrai dire, on m'a dit que si je ne coupe pas d'arbres, ils ne viennent pas. C'est un peu les zadistes du coin. Si je suis respectueux de la forêt, comme ça, là. En même temps, pour les faire vos putains de baraques, vous avez dû en couper des arbres, bande de clodos. On va ramasser tout ce qu'on peut, voilà. Je vais faire les cabanes, il y a peut-être d'autres trucs... Je manque de rondins, alors je vais les prendre. Enfin, de rondins de petits bouts de bois. Il y a un truc, là? Il y a de l'eau? Ah bah, il y a de l'eau. Attendez. Je peux boire? Oh, des poissons! Putain, là, ça sera un bon coin. Là, si... On pourra venir ici pour trouver du poisson. Et le poisson, c'est génial. Quand on a fait les 7 heures de stream, je me suis nourri intégralement de poissons. En plus... Ok. Je peux boire? C'est très compliqué de boire. J'ai l'impression que boire... Voilà, merci. Ah mais on peut totalement bâtir un aéroport. Hein. C'est bizarre, j'ai entendu un bruit en fait. Et j'ai l'impression que le bruit ne venait pas de moi. Bon, on va retourner à notre feu de camp. Attendez, un oiseau. Tu vas... Putain! Putain, c'est pas facile de tuer des piafs, hein. Bon, on y retourne. On va retourner voir le feu de camp. J'ai l'impression que mon personnage marche très lentement. C'est normal qu'il marche à cette allure, là. C'est une tannée, quand même. C'est quand même ça, quand même, une tannée. Je pense qu'ils sont partis, les cocos. Le pire, c'est qu'il me reste. Oubliez pas de choper la plume en l'air. Ah, la petite plume qui volait, là! Putain, je me suis posé la question. Est-ce que je peux la ramasser? Et j'avais la flemme en fait. Ok, j'ai perdu une plume. Enfin, je l'ai pas ramassée du coup la plume. J'ai tué un piaf pour rien. J'ai peut-être de la bouffe. J'ai de la bouffe de piaf. La bouffe de piaf. Petit bout de viande. À mon avis, c'est ça. C'est le petit bout de viande. Bon, je vais faire mon feu de camp. Comme ça, je serai safe pour la nuit. Enfin, safe. Safe là-dedans quoi. Voilà, on va préparer ça. On va sauvegarder parce que je suis une putain de fipette. Ok, il faudra que je les ramasse. On va retourner là. Et l'oiseau. Petite pote d'eau. Putain. Je pense qu'ils sont partis. Vous croyez qu'ils sont partis? Je fais mon lèche, mais vous nous aviez manqué. Vous nous aviez manqué pendant une semaine. Ouais, je sais. Je sais, Jean-Jean. Nous aussi, tu nous as manqué pendant une semaine. Non, j'ai aucune confiance en toi, Foxy. Je n'ai absolument aucune putain de confiance. Ils sont déjà coupés, hein. Ils sont déjà coupés. J'ai pas coupé la forêt. J'ai pas la coupé la forêt. J'ai juste ramassé des rondins. J'ai pas coupé. C'est pas la forêt ça. Ça c'est pas la forêt, c'est des arbustes de merde. C'est vrai que je récupère de la sève. Depuis que j'ai mis le jeu en français, c'est vrai que je me débrouille un peu mieux. Je comprends un peu mieux ce qui se passe à l'écran. Affamé? Non mais je suis pas affamé, t'inquiète. Je pense que ça va être short de finir la maison aujourd'hui, mais
Pour demain, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu notre spot là, il est pas mal. Le fait que la rivière bloque l'avancée des ennemis, en fait, ça te donne ça te donne une voie de repli qui est vachement, vachement cool. Mais par contre, je me demande, est-ce que les ennemis peuvent t'attaquer dans ta baraque en l'air là, le monte en l'air, comme dans Jurassic Park 2? Neuf, c'est deux arbres. Les gars, plus que neuf. Attendez, j'ai mon ordi avec le craft disponible qui vient de s'éteindre. Mais au bout de quelques jours, ils peuvent te balancer des bombes avec des balles de Nice. Ouais, mais ce qui me rassure, Russian, c'est que dans quelques jours, ça fera 2 heures de stream. Et presque! Putain, c'est combien? Plus que 7! Plus que 6! 6 et 2 arbres! Ça compte pour 2, ça! Ça compte pour 2, allez! Oh là, attends! C'est moi qui ai fait le bruit bizarre, là? C'est moi ou c'est vous? T'as laissé plein de rondins? Bah, j'ai pas l'impression, en fait, je les trouve pas les rondins! Je suis pas sûr de pouvoir le couper celui-ci. Hein. Vous m'entendez, mais marteler mon. Parce qu'en fait, mon personnage tombe. Ah bah si. Ah, ça fait 6. Et ça fait 6. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait pas ça un rondant. Non, ça fait 4. Allez. Allez, 4. Je vais prendre ça. D'ailleurs, j'avais vu des bugs sur internet à propos de la physique des rondins. Ça arrive que les rondins en fait s'envolent, qui tombent sur le mauvais côté, qui tombent sur un arbre ou une connerie de ce genre et qui se mettent à voler dans le ciel. C'est assez. Je crois qu'on est bon. Les gars, on est bon. Le Skadurotron, mais le Skadurotron est pas disponible en ce moment. Ouais, mais tu vois, Roussiane, dans le moment de panique dans lequel je me suis décidé à faire cette maison, j'avais rien d'autre à proposer. Et là, toi, c'est typique. Ne plus avoir d'endurance, c'est typiquement le truc qui m'angoisse encore plus. Les gars, on a une maison. Les gars, on a une maison. On a une maison. Une maison à nous. Est-ce que j'ai assez pour faire un. Yeah, là je suis bien. Donc là, on est bon, il n'y a pas de fenêtre. Ah si, il y a une petite fenêtre très mal positionnée, mais c'est pas trop grave. Là, faut vite que je me dépêche à savoir si je peux faire. Casse-toi le oiseau. Est-ce que je peux faire ça? Ah mais il faut un. Attends, attendez. Je vais pas pouvoir dormir. Il faut un lit. Ah si, je peux dormir là. Attendez, je peux dormir ou pas? Rossiane, est-ce que je peux dormir de base dans ma baraque? Je sais plus. Oh, je peux mettre des couleurs, c'est cool. Faut une armoire devant la fenêtre en vrai. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je foute une armoire devant la fenêtre? Ok, donc je peux dormir. Ce qui veut dire qu'officiellement, nous pouvons. Ceci va foutre le feu à ma baraque. Oh, c'est génial. Je peux pas foutre des fenêtres. J'avais cru lire quelque part que je pouvais mettre des fenêtres en fait. Comment ça marche? Oh, c'est cool ça! Oh, c'est génial ça! Oh, elle est belle! J'aurais jamais le temps de faire ce genre de truc. Je veux dire que. Ah, bah si, regardez! Ah non, mais c'est un mur sur le sol, je suis con! C'est un mur sur une corde d'escalade, un collecteur de sève. Il y a vraiment moyen. Oh, une grue! C'est trop cool! Non! N'appelle pas ce qu'il y a dur! Je veux pas qu'il danse chez moi! Parce que c'est vrai que cette fenêtre n'est pas très bien positionnée. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui arrive par là. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose. Attendez. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les constructions un petit peu extraordinaires. Oh, la cheminée, elle est belle. La cheminée, elle est belle. Un nichoir. Oh, un nichoir, c'est mignon. Une jardinière.
Comment je fais pour mettre des rondins à même le sol en fait? J'explore. Oh, c'est trop bien. Oh, encore mieux. Oh, des murs! Je veux ça. Je veux... Complète des plateformes. Voilà, c'est ça que je veux faire, des plateformes. Non, mais pas la plateforme toute conne, là, où tu mets juste des rondins par terre. Bah, j'avais vu ça la dernière fois, putain, c'est où? Parce que là, c'est vrai qu'il y a des plateformes. Ah, voilà, ça! Les mecs, et en fait, ils se construisaient des trucs avec ça. Mais je sais pas trop comment ils faisaient. Ah non, bah, ça doit pas être ça. Hein. Ça doit pas être ça, putain, commence à faire nuit. Peut-être avec des fondations, en fait. Je sais pas. En tout cas, on va passer cette nuit. Ça fait 46 minutes. Nous ne sommes pas encore morts. Est-ce que je coupe des rondins encore? Je pense que je vais commencer. Tant qu'il n'y a pas encore d'ennemis dans le coin et que je suis plutôt. Tant que ça c'est safe, en fait, on va juste préparer le lendemain. Je pense qu'il me faudrait un truc pour. Pas le cage à lapin, il me faudrait un traîneau en fait. Pas un rangement. Ça. Il me faudrait ça. Donc, ok, demain je pourrais aller chercher. Demain j'irai chercher du petit bois. Pour l'instant, on va. Je pense attendre que la nuit tombe. Oh, attends, il y a du bois là. On va récolter ce qui se passe. Oh putain, il a faim mon personnage en fait. Est-ce que j'ai de la bouffe sur moi? Bah oui, mais j'ai plein de bouffe! J'ai plein de bouffe, on va rester à la maison. C'est totalement du Stéphane Plaza chez moi. Oh, attendez. Oh lolo. Ce qui s'est pris, le pauvre. On va se faire une petite bouffe. Alors, on va attendre demain, parce que la nuit, en fait, on perd vachement de. On perd vachement de. On gagne de la faim, en fait, durant la nuit. Et c'est vraiment. Oh, c'est joli par là. Il reste du temps avant qu'on puisse dormir? Bah non, on peut dormir. Putain, je suis con. J'ai même pas fait gaffe, on pouvait déjà dormir. Oh, c'est bon, il fait nuit. Ah! T'as pas sommeil? Eh, t'as pas encore sommeil? Putain, mais en fait, il est 14h du mat. Bon, bah, il a faim, hein. On va se faire un petit steak, hein. On va se faire un petit steak. Qu'est-ce qu'on va se faire comme bouffe? Attendez, je peux le faire directement de là, dans mes souvenirs. Non, là, faut pas le feu à la baraque, pauvre idiot. Voilà, ça. On va se faire un petit steak. En même temps, je crois que la bouffe est périme au bout d'un moment. Comestible, comestible. Des tenues. Attendez, elle est nulle ma tenue. Non, on va mettre ça. Non, j'ai l'impression que ça ne change rien du tout. Bon, il fait encore nuit. On descend ou pas, les gars? Je peux me faire une torche. Je peux me faire une torche. Non, j'ai qu'un seul bâton, j'ai envie de le garder. On va aller, on descend, hein. On va pas rester dans la baraque pendant 10 ans. Y a personne? Ouais, mais on voit que dalle. Comment tu veux que. Faut peut-être que je mange avant, c'est vrai. C'est vrai que je me suis mis un truc à cuire. Faut peut-être que je le bouffe. Ça serait un plan. Voilà, merci. Là, là, on est mieux. Là, on est mieux. Je reviens, bon courage et n'oublie pas de te mettre du talc sur le cucu. Tu viendras me mettre du talc sur le cucu, Russiane? Putain, mais j'ai pas envie de descendre. Double clic sur les peaux de lézard, ça te fait une armure. Oh! J'en ai qu'une. La peau de cerf, ça va me permettre de faire la gourde. Ah, je peux la porter, ok! Simplement la porter, j'ai pas besoin de crafter. C'est quoi ça là? Une petite pierre. C'est une très petite pierre, effectivement. Une très petite pierre. Il y a encore un piaf, mais cassez-vous de chez moi! Je suis en train de démolir ma baraque. Comment on fait le truc qui répare, Russian? C'est pas ça. Attendez. Non, je sais plus. Il y a beaucoup de pierres. Comment on fait déjà? Attendez, on va creuser. Non plus. Avec un crâne? On va tout enlever. Oh! Une grosse masse? Ouais, c'est pas exactement ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, mais. Regardez, là, la plume, elle vole. La plume, elle vole. Je peux pas repasser la nuit? Putain, mais il est pas fatigué. Bon, on va sauvegarder et on va descendre. On va pas rester là pendant un quart d'heure. On va descendre et on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que je pourrais la transformer en torche? Attendez. Voilà.
ça. Bon, malheureusement, je dois y aller. Je vous fais une grosse bisette et bon courage à Doui. M'abandonne pas. Bon. Venez là, bande de cons. Dis-moi pas qu'elle s'est pas éteinte. Hein. J'espère qu'elle s'est pas éteinte. Elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Mets un bâton dans ton inventaire, tu verras tout ce que tu peux faire avec. J'ai plus de bâton. Je peux pas. Oh, c'est le crâne qui brûle, c'est génial. Arrête de t'éteindre, Ordi. Arrête de t'éteindre. J'aimerais bien que la nuit passe. Qu'est-ce qu'on va faire au petit matin? Je vais pas trop m'éloigner. Je vais pas trop m'éloigner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au petit matin? Est-ce qu'on continue à couper du bois pour améliorer la maison? Je sais pas trop ce qu'il nous faudrait en fait. J'ai peur en fait d'attirer plein de monde si je coupe du bois et de me retrouver encore comme un con sur l'autre rive. Je récupère des bâtons. Jean-Jean, je récupère des bâtons. Fais des gaufres. J'aimerais bien me faire des gaufres, putain, j'ai la dalle. Allez, venez, on fait des gaufres. Je m'éloigne tellement pas de chez moi. Non, lumière. Lumière. Allez, il me fait bien toujours là, allez, dans trop. Attendez, je monte. Je vais voir ce que je peux faire avec tout le matos que j'ai récupéré. Parce que là, j'ai... Ah si, je pourrais réutiliser un tissu en fait pour me refaire une... Pour me refaire une torche. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a, bon, mine de rien, on a de la bouffe. On a de la bouffe, on a de la bouffe crue qui va bientôt bah, périmer en fait, donc ça peut être super. Ça sert à quoi ça? J'ai pas trop fait gaffe. Oh, c'est toutes les personnes qui sont tombées sur l'île. Le blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein d'options. Ah tiens. J'avais oublié ce détail. Il y avait des gens. Oh, c'est, on peut faire un SOS. Ça sert à quelque chose de faire un SOS? Pour les gars, les gens qui connaissent le jeu là, ça sert. Oh, on peut faire un bateau. On peut faire un bateau. Attendez, mais c'est génial le bateau. Je pourrais faire le tour de l'île. Et en considérant que c'est une île. Peut-être non, peut-être que oui. Ça, je m'en fous. Je peux faire des notes. Je peux écrire des notes. Non, bah ça sert à rien. Ah, c'est peut-être les trucs que tu récupères. Parmi en fait les trucs de construction, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour la survie? Oh, c'est trop bien ça. J'aurais dû garder la tête de cerf. Un piège à lapin, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Le piège à molotov, c'est un tas de feuilles. Oh, un piège de feuilles, un piège de feuilles, j'ai compris, un tas de feuilles. Ça on s'en fout. Pour la nourriture en fait. C'est surtout la nourriture. Un récolteur d'eau, ça on va le faire. Ça, ouais, il faut une tortue. Bon, il doit y avoir des tortues pas loin. Attendez, descends. Je peux descendre? Ah bah je peux le mettre là. Je suis riche. Attendez. Voilà, je l'ai mis. On va aller chercher une tortue. On va juste attendre qu'il fasse encore un petit peu plus jour et on va descendre. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Il me faudrait un séchoir pour la viande en fait, c'est ça? C'est ça? C'est ça le séchoir? Ça me dit rien ce mot en fait. C'est con mais... Pourtant je viens de la campagne. Hein. Les abris temporaires, je m'en fous. La petite cabane, pareil. Ça, c'est ça? Bon bah je vais en faire un. Je vais descendre. Non mais... Voilà, on va descendre. Y'a pas d'ennemis. Y'a pas d'ennemis. Je vais descendre. Et on va faire un petit séchoir. On va faire un petit séchoir parfaitement à côté du truc à bouffe. Voilà, je voulais pas le mettre comme ça, mais c'est pas trop grave. Et on va se tailler. On va suivre la côte et on va essayer de trouver une tortue déjà, ça serait bien. N'abîme pas ton briquet, s'il te plaît. On n'a pas... Putain, il m'a fait peur le lapin. Con de lapin. Attends. Reviens ici, saleté! Franchement, j'espère que la tortue sera moins vivace que le varan. Hein. Parce que je risque pas d'en tuer beaucoup sinon. C'est comestible ça? Non, c'est pas comestible. Bon, on va ranger le briquet. Et les gars, ça fait déjà une heure et je suis pas encore mort. Ça fait déjà une heure et je suis pas encore mort. J'aime pas trop en fait cette arme. Elle est mieux que l'autre, vraiment? Des vitesses, dégâts. Ah ouais, elle fait quand même beaucoup plus de dégâts. Elle fait même
Et puis, elle permet de bloquer de manière plus efficace, j'ai l'impression. Bah, elle permet de bloquer surtout. En fait, la hache, moi j'avais gardé la hache pendant des heures quand on était en stream. Mais en fait, ça, c'est beaucoup mieux que la hache. C'est juste beaucoup plus lent, mais. Bon, une tortue. Je devrais trouver une tortue par ici, je suis pas con non plus. Est-ce que je peux le boire, ça? Non, je peux pas le boire, fais chier. Il y a un truc là-bas. Vous voyez le truc là-bas? C'est quoi? C'est un totem? C'est un totem ou un mec qui regarde ses pieds? C'est quoi? C'est un mec mort? Non, c'est vivant ça. Hé, là-bas! C'est vivant? J'ai pas une balle de tennis pour lui envoyer dans la gueule? Non, attendez, c'est vivant ça. Ça aussi, c'est vivant. Ça, c'est carrément vivant même. Et ça, c'est vivant et agressif. Oh putain, ils m'ont vu! Hop là! Ah non, c'est mort! Ça, c'est mort! Ça, c'est vivant! Ça, c'est vivant, ça tue! Et ça, c'est mort et ça ferme sa gueule! Putain, mais y a plein de. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite bande qui se balade pas très loin de mon campement. On va changer de rive. On va continuer de chercher la tortue. Et on va commencer à bah, couper du bois pour les attirer. Ça va être cool. Putain, il faut que je bouffe en plus. Monde de merde. Oh là! J'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Salut Stalker 552. Attendez. Non, c'est pas là. D'ailleurs, vous, j'espère que ça va bien. En ce dimanche de canicule, où je suis en train de transpirer la mort. Parce que mon bureau se trouve juste en dessous des combles. Et c'est génial. Ah ouais, j'ai peut-être retourné voir les. Comme il fait jour, qu'on a un petit peu de temps avant, bah avant qu'il fasse nuit. Cette phrase n'avait pas beaucoup de sens. On va aller voir le campement là-bas. J'ai pas eu le temps de beaucoup l'explorer la dernière fois parce que je commençais à paniquer comme un con. Elle est même pas commencée en fait la canicule. La canicule, elle est même pas commencée. C'est à partir de jeudi où ça va vraiment taper. Jeudi, il y a une pointe à 38 degrés sur Angers. 38 putain. C'est le lapin qui a le pot aussi lourd. 38 putains de degrés. On va décéder. Salut Dolly, Dolly, ça va bien Dolly? Viens me réconforter Dolly, c'est la merde. C'est vrai qu'il y avait du poisson là-bas, mais mine de rien, niveau bouffe, bah, j'ai quoi tenir, hein. Surtout qu'il y a un coin à poisson, je vais peut-être boire. Je vais boire à la source. 40 degrés vendredi. La dernière fois que je suis allé sur Météo France, c'était jeudi ou c'est. Oh putain, t'es sorti! Je t'emmerde, Dwelly! Non, mais je vous fais les gueules. Je vous fais les gueules. Vas-y, bois! Je comprends pas pourquoi il veut pas boire souvent. Je sais pas dans quelle position il faut se mettre pour qu'il accepte de boire. Mais c'est bon. Ouais, je le fais bien, le mec qui vomit. Oh, ce qu'il s'est pris le poisson. Schlack! Oh, il y a du sang de poisson sur mon crâne! Et je vais lécher mon crâne avec du sang de poisson après. Il n'y a pas du sang de cannibale là-bas? J'ai vu un piaf. J'ai vu un petit piaf. La tortue. On n'a toujours pas la tortue. Ça me ferait chier en fait de faire les allers-retours entre le pôle de la rivière, entre la mare. La mare. Quelle idée de boire de l'eau dans une mare. Faut vraiment être fou quoi. Je vais peut-être me prendre une barre chocolatée. Dans la vraie vie, je veux dire. Putain, j'en ai plein. C'est vrai que quand tu joues tout seul, t'es un peu un pacha au début. Hein. Quand tu joues en multi, faut partager. Oh! Des évangélistes! Pong! Y a pas de. Y a rien. Y a rien du tout. Vous savez pourquoi je reste proche de la rivière? Parce qu'au moindre problème, je saute dedans. J'ai l'impression qu'il y aura rien là-bas. On va peut-être passer par l'autre côté. J'aurai pas ma tortue. Hein. Vraiment, ça va me faire chier, mais j'aurai pas ma tortue avant ce soir. Hein.
D'autant plus que j'aimerais vraiment qu'on y refasse, qu'on y retourne en fait avec les gars et qu'on se refasse une grosse soirée dessus. Ça serait juste pour le terminer parce que l'histoire de The Forest, en fait, elle est. Le mot, c'est surprenant. Elle est extrêmement surprenante. Alors, je ne vous dirai rien pour vous garder la surprise à ceux que ça intéresse, mais vraiment, pour les gens qui aiment les twists, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de creuser. Et ça vaut le coup de flipper. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis en train de mourir. Je vais voir ce qu'il y a sur la crête là-bas. Je sais pas trop où je suis, à vrai dire. Là-bas, il y a la montagne. Là, je me dirige vers l'est. Du coup, est-ce que je sais que la montagne se trouve au nord? Ça, je sais que la montagne se trouve au nord. Je suis totalement à l'opposé de mon camp. Ce qui est un plan, somme toute, suicidaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces collines? Oh, ça aurait été mignon de faire un petit camp ici, vous trouvez pas? Franchement, ça aurait été cool, ça aurait été facile à cloisonner. Bon, il n'y a pas de poisson, mais... Il n'y a pas de poisson. Je suis sûr que ça, je peux le boire, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a là, en haut là? Monte là-dessus, espèce de con. Regardez, regardez! Ça aurait été sympa de faire un camp ici! C'est une forteresse! Enfin, une forteresse... En même temps, il n'y a pas d'arbres. Alors, sans Skadur à disposition, ça aurait été très difficile, je pense. Oh, regardez, c'est la fin du monde. En fait, là, c'est la fin du monde. Je suis arrivé à l'extrême est. Je suis à l'extrême est de la carte. Ok, non, là, c'est la merde à protéger. Je pensais que c'était un roc, un pic, un cap, une péninsule, mais pas du tout. Comment ça, première mort incoming? Pourquoi, Jean-Jean? Tu connais la map, Jean-Jean? Pourquoi tu dis ça? Il reste combien de temps? Oh putain, ça va vite descendre. On n'aura rien fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'a rien branlé. On va essayer de rentrer à la maison en faisant un grand tour. En passant peut-être par la forêt. Je sais, je prends beaucoup de risques. Je prends des risques pour vous, les gars. Ça a l'air très bon ce que tu manges. C'est par là, la maison? Ça m'étonne qu'il me fasse passer par là, en fait. Ta gueule, l'oiseau. Y a une biche. Il y a une biche. L'objectif, c'était également de trouver une biche. Reviens là, salope. Reviens là! J'aurais dû me faire une lance! Je peux me faire une lance? Suis très nul à la lance, les gars! Je suis très nul! Je suis carrément une merde à la lance! J'ai essayé un joueur d'en lancer une! C'est pas du tout par là, ma baraque! Ah si, c'est bon! Je sais pas s'il faut mettre le doigt sur la cible en fait! Force de constater que non. Reviens ici. Allez. Ah. On se replance. Et tu vas être quoi? Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Putain, j'y crois pas. On peut faire une gourde. On va faire une gourdinette. On va faire une gourdinette. Attends. Soit vegan. Plutôt mourir. Donc on a retrouvé ça. On va pouvoir faire... comment ça s'appelle un... Je peux pas le mettre dans mon sac? Attends, je peux pas le mettre dans mon sac, fais chier. Pour la tortue, c'est sur la plage. Sinon, il y a des tortues de terre. Mais tortues de terre, et d'égal crocodile. Oh non, pas les crocos. Pas les crocos. S'il te plaît. Bon, je pense que pour l'instant... Eh, t'as vu? J'ai eu du cul. C'est la première fois que je tue quelqu'un avec une lance. Enfin, quelque chose, je veux dire. Un cannibale, un cannibale. Des cannibaux, des cannibaux. Des cannibals. Des cannibals, d'ailleurs. On va retourner à la maison. On va faire un truc avec ça. J'espère que ça va... Ça a bougé devant. C'est quoi? Pourquoi il y a un cadavre? Pourquoi il y a un cadavre? M'a fait peur, lui! J'entendais quelque chose qui se rapprochait de moi. Mais qui t'a tué, toi? Je vais pouvoir nager avec toi? J'ai des doutes, hein. Je suis pas sûr que je puisse nager avec un cadavre sur le dos. Ah, c'est vrai que là, il y a mon camp de repli, en fait. En cas de problème, et franchement, j'ai tout prévu. Si la maison se fait attaquer, je peux retourner ici et j'ai un camp pour dormir. Eh, c'est qui le meilleur? J'ai pas tout prévu? Ah, si, j'ai tout prévu. J'ai marché sur un varan. Le truc que j'aimerais le moins faire au monde, marcher sur un varan. T'as les varans de 200 kilos, là, que si tu te mords, t'as une chance sur deux de crever à cause des maladies.
Je peux nager avec ça ou pas? Merde. Merde. Non, je voulais le garder, c'est ma bouffe pour soir. T'es où? Ah, j'ai perdu mon cadavre. Si, bon, on va le découper. Prends ça, oiseau! Non, ça marche pas. Ok, il est parti. Mais qui a pu le tuer? Non, t'es chiant. Pourquoi il... Allez. Non, mais... Tiens. Merde. Je crois que... Mais... Ah, j'en ai trop dans mon sac. Ok, je comprenais pas. Ça a pourri, ça. Avarié, merde. Je peux faire quoi avec de la viande avariée, les gars? Je sais pas. On peut faire quelque chose avec la viande avariée? Non mais coupe le pied. J'ai dit coupe le pied. Voilà. Enfin, en même temps, moi, durant le stream, j'ai passé 7 heures à manger du poisson et de la viande avariée. Tout va bien. Oh! Wow! Je crois que j'ai marché sur un caillou. J'ai marché sur un caillou et j'ai pu me propulser. On va essayer de finir ça, tiens, pour mettre la viande. Attendez. Et du coup, c'est vraiment utile de faire ça? Ça va vraiment la sécher, et du coup... Parfait. En même temps, moi, je mets la viande déjà avariée. Ce qui n'est pas quand même la meilleure des bonnes idées. On va peut-être mettre de la viande qui peut pourrir. Voilà. C'est laquelle la viande? Ça c'est bon ça? Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Voilà, bon, on a mis les pieds, c'est pas grave. On va se manger un petit pied. On va se manger un petit pied. Le dinosaure. Elle se conserve plus longtemps. Ok, génial. Tu connais bien le jeu, Jean-Jean, du coup? J'aurais besoin d'un copilote. Le feu s'est éteint, c'est pas trop grave. On va vite le rallumer. C'est cool, n'empêche que les feux, tu puisses les rallumer comme tu veux. C'était si facile dans la vraie vie. On va se mettre ça. On va se mettre debout. On va faire une petite sauvegarde. Et après, on va repartir à la chasse tant qu'il est encore temps. Parce que j'ai pas envie de faire la même connerie de me retrouver à poil en plein milieu de la nuit. Regardez des varans. N'empêche, personne me fait chier dans mon bled. Hein. Là-bas, il y avait des cannibaux et depuis, il faudrait que je rase ce qu'il y a là. Les quelques arbres qu'il y a là, je devrais les raser. Je vais peut-être prendre du petit bois pour faire mon traîneau et après, on va commencer à dératiser la forêt. On va manger de l'avarié, ce qui serait une très très mauvaise idée en vrai. Voilà. Oui, je sais, t'as envie de vomir. Ah mais c'est vrai, attends, je peux faire ma gourde. Comment on fait la gourde déjà? Faut pas du scotch? Merde. Comment on fait la gourde déjà? Une corde et deux pots de serre, ok, donc faut une corde. On va faire une corde. C'est ça la corde, hein? Ok, donc on va faire une corde avec... Voilà. Maintenant, on pourra aller chercher de l'eau et on n'aura plus de problème d'eau. On va pouvoir reprendre... On va chasser un petit... On va couper du bois déjà. Des cages à lapins. Pourquoi tu veux faire des cages à lapins, Félix? Pour avoir un stock de bouffe, tu veux dire? Parce que niveau bouffe, en fait, c'est peut-être ce qui m'inquiète le moins, hein. Parce que la bouffe, tu trouves une mare, tu trouves des baies dans la nature, enfin, la viande d'être humain en fait. C'est, ça se trouve n'importe où. Ah, piaf! Merde. J'ai pas envie de casser ma baraque. On va se prendre du petit bois, c'est toujours utile. Et au moins ça tire pas les ennemis. Je peux le couper ça? Ça m'emmerde en fait le rondin là. Putain, je peux pas le couper. Il va me faire chier jusqu'à la fin. On va couper du bois. Je vais construire ça. Enfin, j'ai pas encore assez de merde. On va couper du bois. Je suis pas du tout allé explorer ce qu'il y avait là-bas, en fait. Mais en fait, avant d'y aller, j'aimerais bien être un peu plus serein sur mon équipement, si c'est possible. Il était déjà coupé. Venez pas m'emmerder, hein. Voilà. Putain, mais il en faut combien des rondins pour cette merde?
Et dire que si Skadur était là, on aurait déjà rasé la forêt. Et bien plus encore. Il y a trop d'arbres. Il y a trop d'arbres pour moi. Voilà. Le bruit que ça fait. Mais ça serait... C'est physiquement impossible que ce truc il marche en fait. Excuse-moi le varan. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Un petit peu. Attendez. Je savais pas qu'on pouvait mettre des rondins là-dessus. Cocktail Molotov, tissu, alcool. Eh, ça, là tu me fais plaisir, Félix. Là tu me fais plaisir. Parce que là je vais me sentir serein avec un cocktail Molotov dans la main. Je suis pas loin de la maison, je suis pas loin de la maison. J'ai entendu des bruits de pas en fait. Je sais pas si c'est les miens. Oh, mais il y a une grotte ici. Attends. Dis-moi pas que je suis à côté d'un spawn. Dis-moi pas que j'ai fait ma baraque. Déjà, ça, c'est un cimetière. Non, c'est pas, c'est de la roche. Dis-moi pas que je me suis mis à côté d'un spawn de monstre. Putain! C'est joli, hein. Putain, mais ils ont fait des baraques tous les 100 mètres dans ce putain de bled. On va aller voir, hein. De toute façon, c'est chez moi maintenant ici. Là, c'est chez moi. J'ai po... C'est pas... je partage les gars. C'est pas totalement chez moi. Putain, j'ai fait un... J'ai fait ma baraque à côté d'un spawn. À vrai dire, le spawn... Celui qu'on avait durant, durant le stream, on l'a dératé. Oh! Oh! Oh, regardez! Attendez, c'est l'avion? Vous entendez? Mais il est vivant! Mais il est totalement vivant! Il est total. Il dort. Comment on fait une lance déjà? Attendez. Comment on fait une lance? C'est bien de bout de bois la lance. Attendez. La lance, on l'a fait. Comment ça? Comment t'as pas aimé? Putain, j'ai réussi à l'avoir par derrière. Donc il dormait. Et l'avion est juste là en fait. Je suis juste à côté de l'avion. Oh, regardez, il y a des trucs là. Je vais essayer de le ramener chez moi le cadavre là. Ça me fera de la bouffe pour. Ça me fera de la bouffe. Ah non, c'est vrai qu'il faut faire des feux de camp. J'avais oublié ça, les feux de camp pour avoir des os. Non mais ta gueule, je m'en vais. Et donc bah en fait je suis juste à côté de l'avion. Je pensais. Pas si pas, ça m'a fait peur. Le gun, il y a un gun dans le jeu. Il y a, enfin un gun. Il y a un vieux troublon qu'on peut asso... qu'on peut. Oh loulouloulouloulouloulou. Il y a un vieux troublon qu'on peut assembler après avoir trouvé toutes les pièces. Ce qui m'a l'air assez laborieux d'ailleurs à faire. Ou même. Oh putain! Oh putain, je commençais à être bien normal. Normalement, tant que t'es en rouge, ils ne te font rien. Et je reste longtemps en rouge, Jean-Jean. Je reste éternellement en rouge. Tiens, salaud. Je vais faire un feu. Je vais faire un feu. Je vais pas faire un feu, je vais faire le feu. Sale. Je vais pas le faire maintenant, le feu. Je vais pas le faire aujourd'hui. Skadur est jamais là quand on a besoin de lui.
Ah mais je suis très expressif quand je panique. Plus que... Attendez. Merde, j'en ai fait tomber un. J'en ai fait tomber un. J'aimerais bien le faire avant la nuit, en fait, ça serait cool. Ça serait cool. Allez, dépêche-toi. Est-ce qu'avec un énorme feu, je me sentirais plus serein et je pourrais peut-être descendre en bas de ma tour. Enfin, en bas de ma tour. En bas de ma chère maison. Putain, j'en ai pris qu'un. Il me reste un rondin, il me reste un rondin, il reste quoi d'autre? La carapace de tortue, je m'en fous. Trois bouts de bois, il me faut des bouts de bois. Des bouts de bois, il faut des bouts de bois, des bouts de bois. Ça c'est des bouts de bois, ça. C'est des bouts de bois. Viens là, bout de bois, allez viens. C'est bon, donc on a les bouts de bois. On n'a pas trop, on n'a pas fait grand chose durant cette journée. On a, ah, si quoi que, on a construit le truc à bouffe. Ah là, ça. Franchement, allumer un truc pareil avec un petit briquet de merde, c'est invraisemblable. c'est pas comme ça qu'on fait? J'ai pas fait... Dis-moi pas que j'ai pas fait le... Ah, si, voilà. Bon! Ah, on n'est pas bien. Une forêt, une maison dans l'arbre, des gens qui rament, des cannibales, des cannibaux, des cannibaux. Il fait un feu de camp pour des incantations chamaniques. Bah, j'aimerais bien... Quand il panique, il a quand même le réflexe de faire échappe. C'est vrai, en fait, c'est vraiment un réflexe. Si j'ai un problème, plouc, je me mets en mode sécurité. Et là, on est bien, franchement. Et je suis quand même fier de moi. Parce que ça me donne des frissons de dire ça, mais c'est la première fois de ma vie que je passe deux nuits seul. Ah, bah, il y a une plume là. Que je passe deux nuits seul dans The Forest. Et ça, c'est une peur, une angoisse panique que j'aurais réussi avec vous, en votre compagnie, à régler. Ou à combattre, à combattre. Et ça me fait rôter. Ça me fait rôter. Et il y a des putes. Barrez-vous les lapins! Putain! C'est pas chez vous. Si j'avais un arc en fait, je pourrais tellement faire un massacre de lapins. C'est vrai qu'on a fait une gourde, mine de rien. On a fait quelques trucs. J'ai ma viande là. J'ai ma viande avariée pour la plupart d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Il vient à peine de faire nuit. Si je vais au lit, ça va être la merde. Attendez, j'ai donné un gros coup dans le micro. J'ai entendu un bruit. Oula, le jeu a chargé. Le jeu a chargé. Le jeu a chargé. Il a dû charger quelque chose. Oh, regardez, ça fait des os. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que quand tu... Quand tu brûles des gens, ça fait des os. Et les os, tu peux... Ils sont où? Ils sont là. Ah, j'en ai pas assez. Merde. Bon, bah, pas grave. Il me faut d'autres cadavres. Il me faut d'autres cadavres. Il y a un lapin, il y a un lapin, il y a un lapin. Viens ici, saleté, viens ici, saleté. Oh là là, ce qui s'est pris. On va faire un arc. Que quand j'aurai un arc, on pourra un petit peu mieux chasser. Oh, une tête. Comment on fait un trophée? Salut, Raptor... Raptor K01. Comment on fait un truc pour tenir les trophées, là? Je sais pas où c'est. C'est pour là-dedans. Meubles, on s'en fout. Décoration. Lampe crâne, on s'en fout. Ça pourrait être sympa à faire. Hein. Trophée de chasse. Ah, mais faut le mettre à l'étage. C'est nul. C'est nul, non, c'est pas ce que je veux. Non, mais casse-toi. Ce qui me ferait plaisir, en fait, c'est ça. Ok, je pensais pas que ça éclairerait si peu. Pour tout vous dire, je pensais pas que ça éclairerait comme une merde. Putain, dès que je vois un truc au loin, ça me fait peur. Les effigies, pour faire flipper les autochtones, tu les as pas tout de suite, faut devenir un peu fou avant. On devient fou dans le jeu? Que là, pour l'instant, moi, j'ai ma santé mentale au max. Hein. Curieusement, j'ai ma santé mentale au max. Ah, c'est vrai que j'ai récupéré ça. Attendez, elle est mieux que la mienne?
Elle fait un peu plus mal, mais elle est plus lente. Elle fait un peu plus mal, mais elle est plus lente. Je vais peut-être garder la mienne. En tout cas, en deux coups, on a tué un connard, et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme truc qui ferait de la lumière? Qu'est-ce qu'on a comme truc qui ferait de la lumière? Ou qu'est-ce que je pourrais construire de vraiment intéressant? Une corde d'escalade. Un collecteur de sève, une cible en bois. Un petit meuble. Je sais pas quoi faire, tiens. Les flèches, j'ai pas encore. Ça, on s'en fout un peu tant qu'on a de la bouffe. Le collecteur d'eau. Ah, tiens. On va tester, il y a plein de lapins chez moi. On va le mettre là, hein. Non, c'est un collecteur. C'est pas un piège. Attendez, c'est un collecteur à lapins. C'est une cage. Moi, je veux un piège à lapin. Un piège à lapin. Où se trouve le piège à lapin? S'il vous plaît, je cherche le putain de piège à lapin. S'il vous plaît. Le piège à lapin n'est pas ici. Ça, c'est les maisons. Ah, quoi qu'il fait toutes les pages. Putain, c'est où le piège à lapin? Y a bien un piège à lapin. Rassurez-moi. Oh, attendez, c'est quoi ça? Trouver des passagers de l'avion. Bah, ils ont tous disparu. Trouver de l'aloe. Oui, mais bon, l'aloe, on a mis 6 ans à la retrouver. On va passer la nuit, tiens. Je pense que c'est bon. Il fait. Ouais, casse-toi, lapin. Casse-toi, lapin, le temps que je trouve un moyen de faire un piège. Ouais, mais le Valérie d'Amido, on s'en branle là. C'est. Comment ça, j'ai découvert un nouvel animal? Oh, attendez, il y a un piaf. Il y avait un piaf chez moi. On va dormir. On va dormir. En espérant qu'il fasse jour quand je vais me réveiller. En espérant. Ouais, c'est bon. On va faire une petite sauvegarde. Et n'empêche, quand t'es tout seul, c'est plus facile pour dormir que quand tu dois demander à 5 cons de dormir en même temps. Oh, regardez, c'est beau. C'est beau. On va. Oh, il a disparu, mon feu fait chier. On va se faire de la bouffe. Moi, je vais me chercher une canette pour rester un petit peu RP. Je vais mettre un truc à cuire. Je vais mettre un truc à cuire. Ah, j'ai pas le droit de cuire là-dedans. Fait chier. Attendez, je vais me chercher un truc, je vais me chercher un truc à boire parce qu'il fait 40 degrés et on se retrouve dans 10 secondes. Et pas de bêtises, hein! Evrysen, il a fait une bêtise. Voilà, là on est bon. Ok, donc pour perdre de la santé mentale, faut tuer des gens, découper des membres, hein, quand même, manger de l'humain et rester dans une cave baisse la santé mentale. Ok, donc on va faire aucun de ces trois trucs-là, pseudo. On va essayer en tout cas. La tortue, bon bah je vais me faire foutre avec ma tortue. Je voulais faire un petit feu de camp pour manger. On va manger, on va boire. Et on va chercher de l'eau pour remplir ma gourde. Ouais, on va faire un feu. Attendez. Attendez, je sais plus faire le feu. Je sais plus faire des feux. Voilà, merci. Voilà. Ah, elle est bien loin à l'époque, on galérait. On galérait pour faire un petit feu de camp. Tu peux l'allumer, s'il te plaît? Ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Le lapin, il a l'air sympa. Le lapin a l'air sympa. Ça pourrit ça ou merde? Ouais, ça pourrit ça. De toute façon, c'est pas trop grave. J'ai l'impression que la viande, même pourrie, tu peux la bouffer sans trop de problème. Ça va juste me filer la chiasse au bout d'un moment. Est-ce que j'ai sauvegardé? Ouais, j'ai pas d'eau sur moi. J'ai pas d'eau sur moi, alors je suis obligé de prendre une canette, c'est un peu chiant. Je suis pas sûr d'avoir sauvegardé. Je sais pas où aller. Mais du coup, ouais, ça m'a étonné de voir l'avion en fait là-bas. Je vais peut-être y retourner. Juste, je suis très curieux. Je vais voir si j'ai oublié quelque chose dans l'avion. Donc là, on est bon. On a le feu de camp qui va brûler jusqu'à éternellement. Je sais pas combien de temps ça brûle un feu de camp pareil. Je pense long.
temps, j'ai vu quelque chose. Ça, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là, j'ai dit que je vais le mettre là, voilà. On va juste regrouper les quelques rondins que j'avais. Putain, mais en fait, il y avait plein de rondins. En fait, c'est vrai que j'ai un peu découpé la moitié de la forêt pour rien. J'ai entendu un bruit. Casse-toi avec tes pierres. Ça pèse combien des rondins comme ça? Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Il y a au moins 100 kilos dans le rondin. Soit une horreur. N'empêche, j'ai la bougie la plus longue de l'histoire. On va retourner au petit camp. On va retourner au petit camp, au grand camp dans lequel on a tué notre premier ennemi. J'en suis très fier. Et on va voir si j'ai pas laissé du matos dans les. Comment ça s'appelle? Dans les valises. On va voir s'il y a des valises. Et après, moi, je continue ma chasse à la tortue. J'aimerais bien remplir. C'est de l'eau, ça? Ah non, c'est pas de l'eau. J'aimerais bien remplir ma gourde pour ne plus boire mes canettes. Parce que les canettes, c'est sympa quand t'es vraiment dans la merde. Attends, comment on fait la lance? Attendez, j'essaie d'écrire sur mon putain de clavier. Non, deux bâtons. Mais c'est des bâtons, ça. C'est des bâtons ou c'est pas des bâtons? Bah. Ah, mais j'en ai déjà une, ça va être pour ça. Attendez, c'est ça? Oui, non, voilà. J'avais oublié. D'ailleurs, c'est vrai que ceci. Je veux dire, pas ceci, pas ceci, cela. Ceci est plus utile pour taper du monstre. On va essayer d'explorer. Je suis pas encore passé par là. Je sais pas sur quoi je vais tomber. À vrai dire, il existe une carte de l'entièreté du monde de The Forest. Qui est vachement sympa à parcourir. Est-ce que tu te rends compte que c'est assez vaste, qu'il y a plein de trucs à voir, qu'il y a plein de trucs mystérieux à rencontrer en fait, surtout cachés quelque part. Enfin, les personnes qui étaient là la semaine dernière ont entrevu des choses mystérieuses parce qu'on avait un petit peu glitché le jeu pour, on avait un petit peu baisé le jeu pour s'y rendre rapidement, en remarquant qu'il n'y avait pas trop de dégâts de chute, ou alors que les dégâts de chute étaient très laxistes. Ouais, mais là je suis à l'extrême est. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose sur l'extrême est. Et moi, je suis encore tiraillé par le fait. Je suis encore tiraillé par le fait que je n'ai pas sauvegardé. Pourquoi le turbo teubé, Hans? De quoi tu parles? Oh, regardez. C'est vrai qu'on peut faire des. C'est vrai qu'on peut faire des bateaux, j'avais oublié. Vous croyez qu'il y a une autre île? Je suis pas sûr, en fait. Je pense pas, mais. Ouais, ça va être compliqué de remonter par là après. Hein. Ça va être sacrément compliqué de remonter par là. J'ai toujours pas trouvé ma putain de tortue. Hein. Attendez, c'est pas une tortue en face là? Non, c'est un rocher, une tortue. C'est une tortue qui parle ou c'est un rocher? C'est un rocher. Putain, y a rien. Ou alors, putain, 17h30, ça fait 1h30, je suis pas encore mort. On pourrait peut-être se faire une grotte. Hein. Je ne réalise pas ce que je viens de dire, mais on pourrait peut-être se faire une grotte. Y a pas de tortue sur ce truc de merde? Y a pas de tortue. Regardez, il y a plein d'îlots. Il y a peut-être des trucs à trouver en fait. Bon, le village commence à être un peu loin. Enfin, le village. Le village. Le fameux village. Ah, c'est Poléon, le turbo teubé. Bah, Poléon est peut-être mort là. On sait pas trop où il est parti. Hein. Il a décidé de parcourir la France en marchant. On lui a dit que c'était une mauvaise idée, mais il a pas compris. Il a pas saisi que la France par rapport à la Belgique c'était une autre proportion. Mais non, il est parti tout droit. Vaillant, il est vaillant comme garçon. Très vaillant. Très vaillant. Putain, casse-toi la vague. Je suis sûr que ça sert à rien ce que je fais là. Je suis sûr que les trois petits trucs de merde là, ça va me servir juste à perdre du temps. Il est arrivé en Belgique hier! Oh, c'est cool! Il est pas mort! Il n'est pas mort. Putain, ça sert tellement à rien ce que je fais. Je suis juste en train de perdre du temps comme un gros teubé. Et surtout que là, je pourrais même pas remonter par là, ça va être génial. Bon, on va au moins faire la dernière petite île. Ils ont pas fait ça pour rien quand même, les mecs. Yep là. Oh, c'est quoi ça? Attendez, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose avec des bras. C'est un cadavre? C'est un cadavre? C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de les regarder, mais. C'est bizarre en fait. Ils ont des yeux à moitié verts révulsés. Ils ont plus de sexe. Ça va faire mal. Ouais. Ils ont plus aucun poil. On se demande vraiment si c'est vraiment des humains, quoi. C'est.
Mais en même temps, ils n'ont pas de centres commerciaux, donc à mon avis, ce ne sont pas des. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure arme du monde pour découper un membre. Non, je veux découper un membre, voilà, merci. Personne m'a entendu? Allez, tu vas me couper ça. Voilà, merci. Parce que je vous rappelle que la nourriture humaine. Casse-toi le pigeon! Enfin, c'est pas un pigeon, c'est une mouette. Franchement, j'ai une énorme satisfaction à tuer des animaux. Enfin, ne sortez pas cette phrase de son texte, ne la clippez pas. Mais c'est vrai que tuer des animaux est assez gratifiant. Ils ont aucun pouvoir d'achat. Ils ont pas de PIB. Si t'as pas de PIB, de nos jours, tu sers à rien. Et moi, ma tortue, je l'ai dans le cul ou pas? Ouais, je l'ai dans le cul. Je l'ai grave dans le cul d'ailleurs. Et surtout que là, bah, je peux pas remonter. Et j'ai tellement pas envie de passer par la petite plage là-bas. Parce que si je remonte par là, ça veut dire que je dois faire tout le tour pour tourner chez moi. Alors je vais essayer de tricher. Je vais essayer de tricher en face là. Il y a peut-être moyen de passer quand même. Allez, on va nager. Je me prends une gorgée. Et ça fait 1h30. Et on n'est pas encore mort. Et c'est bon, plus le temps passe et plus le jeu, tu le démystifies un petit peu, quoi. Tu prends tes aises, etc. Et peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me sortir un petit peu serein. En même temps, je viens de réaliser qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que des êtres humains sur cette île, il y a d'autres choses. Enfin, il y a des choses avec beaucoup trop de membres pour être des êtres humains. C'est bizarre, on a l'impression que c'est un peu creusé dans la roche, là, qu'on peut passer. Non. Non, je pense pas. J'ai pas envie de perdre du temps, à moins qu'on puisse voir quelque chose par en dessous. Ouais, c'est l'impression qu'on peut passer là en fait. Il y a un relief bizarre. Vous voulez qu'on aille voir? Je pense pas qu'il. J'ai pas souvenir qu'il y ait quelque chose en de sous l'eau en fait. Il y a pas de base sous-marine. Enfin, de base. D'îlot de merde sous-marin ou de campement. Non, il y a rien. Ça sert à rien. Je perds du temps. Je perds affreusement du temps. Il y a rien. Il y a rien du tout. Génial. En fait, quand je dis que je perds du temps, c'est que au fur et à mesure des nuits, l'écosystème est de plus en plus agressif envers nous. Et une nuit passée à glandouiller dans un coin, c'est assez problématique pour la suite. T'as pas été attaqué encore? Si, j'ai été attaqué tout à l'heure, Jean-Jean. Et justement, hey, c'est là où je suis malin. C'est que j'ai mis mon campement à côté d'une petite rivière dans laquelle il faut nager. Ce qui pourrait me permettre d'éviter des ennemis. Eh, il y en a là-dedans. Dès qu'il s'agit de fuite, franchement, demandez-moi, je suis assez calé dans le sujet. Je suis assez calé, on va dire. Bon, tu peux pas nager plus vite. S'il te plaît. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez pas vu, mais lors du stream qu'on avait fait de 7h avec les gars, à un moment, je suis tombé dans l'eau comme ça. Je suis tombé dans l'eau au flanc d'une falaise et j'ai mis 10 minutes à rentrer et j'ai fait une bonne partie du chemin dans le noir. J'étais tellement pas bien. J'étais tellement stressé du cul et là je perds du temps, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'espère que vous allez bien et que vous regardez un homme nager. Où est-ce qu'on se trouve déjà? Adwim, Pokémon de type fuite. Pokémon de type survie. Où est-ce qu'on est déjà, Jean-Jean? Toi qui as l'air de connaître le jeu. C'est en Amérique latine, en Amérique du Nord, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout où est-ce qu'on se trouve. Il faudra que j'arrive à trouver la carte. Je sais qu'il y a une carte quelque part. Je sais pas, je crois que c'est dans une grotte, donc on n'aura pas la carte. On va oublier. On va oublier ce que je viens de dire, on n'aura pas la carte. Putain, ménage plus vite! Alors, pour couper du bois, l'endurance, ça part en 35 secondes. Par contre, pour nager pendant un quart d'heure dans une direction, là, c'est easy. Non, t'es pas une. Dis pas ça, je suis pas loin de la Bretagne, Jean-Jean, ça me ferait flipper. Hein. Je suis vraiment pas loin de la Bretagne. Hein. À vol d'oiseau, tu mets une heure. Hein. Bon, à vol de gros oiseaux, de gros piaf. Je pense que c'est bon, on y est presque. On y est presque. Je peux pas speeder, c'est la merde. Mais au final, le seul truc qui m'aura vraiment fait peur dans le jeu, c'est vos putains d'alertes de merde. Le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand vous m'avez envoyé des alertes dans la gueule. Allez. Bon, note à moi-même, ne plus jamais nager. Alors, on y est. Putain, j'ai eu peur pendant un quart de seconde. Je me suis demandé, elle est où la maison? J'ai perdu la maison. Il n'y a plus de maison. On va, tant qu'il fait jour encore, on va regarder un petit peu la forêt. Peut-être retourner. Le plan qu'on avait voulu faire à l'origine, c'était retourner. Comment ça s'appelle? J'ai plus d'endurance. Je n'ai plus d'endurance. En fait, peut-être si, j'avais plus du tout d'endurance dans l'eau. C'est peut-être pour ça que j'étais lent. J'étais médisant. On va retourner à... Pas à l'aéroport, à l'avion.
à l'avion. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous avez remarqué que le bec de l'avion a disparu. Eh bien, ce bec, on pourra le retrouver. On peut le trouver quelque part. Où est-ce qu'on va? Attendez, je suis à moitié paumé. Ah oui, c'est vrai qu'on était passé par là. Il fait jour, il fait jour, il fait jour. C'est bon, il fait jour. Il est midi. On a le temps. On va partir par là. On va essayer de les contourner. Je sais pas du tout où on va arriver. Je sais pas du tout où on va arriver. C'est pour ça que je vais faire un petit stock de bois en fait pour être serein quand la nuit va arriver. Toi, serein, c'est le mot que je suis pas quand. Je sais pas, moi j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué. Faut réunir des cons au même endroit, au même moment. Et je peux te dire que c'est une tâche assez ardue. Par contre, j'ai l'impression que la sauvegarde n'a pas. Je suis pas sûr qu'on puisse sauvegarder comme ça en multijoueur avec autant de personnes. Ah, il est à l'avion. Regardez, on avait oublié des valises. Non, s'il te plaît. Là-bas, là-bas, regardez tout ce qu'il y a là-bas. J'en ai vu 3 ou 4. Eh merde. On va essayer de récolter le plus de trucs avant qu'ils me remarquent. Je crois qu'ils m'ont vu. Je crois qu'ils se sont tous accroupis en fait. Ils se sont. Opération fuite. Opération fuite. On va reculer discrètement. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Je pense qu'on va construire des trucs dans la cabane. Si t'es encore rouge, il te faut en rien. Mais je suis plus rouge. Mais non, je suis plus rouge, je vais dans l'eau. Eh, la bonne idée d'aller dans l'eau. Ça m'aura niqué mon game. Vraiment, c'est. Et comment je peux retrouver de la teinture rouge, Jean-Jean? Parce que j'avais trouvé un pot. J'avais trouvé. Alors tu vas crever. Merci, merci de ta sollicitude. J'avais trouvé un pot de peinture en fait. Il y a encore un mec. Genre... Bah il était ici le pot. Attendez. Ah mais y a plus. Y a plus. Y a plus peinture. A plus peinture. Bon, visiblement, il n'y a pas d'ennemis. Je vais en profiter pour piquer le tissu. Je suis en train de leur piquer leur slip. Ok, donc j'ai l'impression d'être à fond niveau tissu. Ah, ok, attendez, je me suis sacrément rapproché d'eux là du coup. Oh, y a ça! Totalement dégueulasse, mon avis, c'est immonde. C'est à certains endroits, ça respawn au bout de quelques jours. Ok. Et donc la peinture rouge, les ennemis en ont peur. C'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut la crafter, cette peinture rouge? Ou teinture, je sais plus comment ils appellent ça. Mais j'aimerais bien trouver un mec tout seul là. En fait, si je tombe sur un mec tout seul, je me le farcis et je vais m'en faire des. Comment ça s'appelle? C'est pas à moi ça. Ça c'est pas ma bougie. C'était pas du tout ma bougie. Il y a un bruit de vent très particulier que j'ai entendu dans mon dos. Oh regardez ma gourde, on va pouvoir la remplir. Donc on va pouvoir remplir la gourde. Je sais pas comment faire. Ah non, il faut que j'ai l'icône en fait. Ils ont pas peur, mais en fait tu deviens leur maître, mais pas pour tous les ennemis. Ah ouais, la merde. C'est un varan, vous inquiétez pas. Ça c'est pas un varan, ça c'est pas. Putain, il est pas tout seul! Je me taille. J'ai pas réussi à remplir ma gourde. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup essayé non plus. Je tiens à signaler. J'ai pile ce qu'il faut d'endurance pour rentrer chez moi. J'ai pile ce qu'il faut d'endurance pour me mettre à l'abri. C'est ça la stratégie. J'ai tout prévu. En même temps, là, il me manque une putain de fenêtre pour voir les ennemis arriver.
Pas d'ennemis. Attendez, qu'est-ce que j'ai ramassé? Je sais pas trop ce que j'ai comme tenue. Je suis en train de voir. Je vous avoue que j'expérimente. Je connais absolument pas le jeu. Je pense qu'il me faut un arc. Attendez, il y a un lapin con. Il y a un lapin con. Il y a un lapin con. Ok. Et le marteau, c'est deux bouts de bois. Non, mais c'est pas grave, le marteau, j'en ai déjà un. C'est plutôt. J'ai envie de faire un arc en fait. Mais vu ma dextérité avec la lance, je pense que l'arc ne sera pas d'une. Voilà. J'aime beaucoup cette arme. J'aime pas les coups de vent, parce que quand il y a du vent, tu vois rien. Ouais, c'est vrai qu'il me manque une arme à feu, c'est. On a encore un peu de temps, donc je suis toujours dans l'espoir de trouver. Il est là, il est là. Je sais pas trop comment ça marche en fait. Attends, là où tu vises, c'est là où tu vises que ça part. Attendez. Mais pas du tout. C'est pas du tout là où tu vises où ça part. C'est au niveau du creux. Mais non, c'est beaucoup plus au-dessus. Et t'inquiète pas, le lapin, je m'exerce. En fait, ça dépend de ta distance, évidemment, mais j'ai pas, je suis pas encore très, je ne manie pas encore le, comment ça s'appelle, la lance avec une grande dextérité. Je suis toujours à la recherche d'une tortue, s'il vous plaît. J'aimerais bien l'utiliser contre un mec isolé. Mais je suis très vaillant. Et ça va faire 2 heures et je suis toujours pas mort. Hein. Ce qui est plus que l'intégralité de mes autres parties de The Forest. On va vite fait aller voir ce qu'il y a là-bas et après on va rentrer. Et peut-être qu'on va aller se confectionner un. Comme dit Jean-Jean là, on va se faire un arc. Et peut-être qu'avec l'arc, j'arriverai à tuer des choses. J'en doute. C'est une clairière. C'est une zone de chasse. Quel homme, c'est moi qui survis, hein. Eh. Au moins c'est efficace. Y a pas à tortiller du cul, au moins ça fait du dégât. Je sais pas si ça fait autant de dégâts sur les cannibales. Enfin les cannibaux, les cannibaux. Ouais, hé, hey, regardez, je m'entraîne. Je m'entraîne sur une population en voie d'extinction. Si ça c'est pas alpha. Qu'est-ce que je peux en faire de cette peau là? Putain, j'en ai plein. Je vais me refaire un truc pour étendre du macabé là. Ouais, enfin là ça pue là. Ça pue, j'aimerais pas mourir en fait. Je suis pas encore mort, j'aurais pas commencé. On va faire un truc pour étendre du cadavre. Et mine de rien, pro shooter. Non, non, pas pro shooter. Pas pro shooter. J'ai un petit peu d'estime. Tout à l'heure, quand j'ai niqué la biche là, ouais, là je veux bien pro shooter. Parce que là, j'y croyais pas. Mais là, attends, mais là. Tu peux l'améliorer ta lance avec des os et du tissu, si je me souviens bien. Mais je vais essayer ça tout de suite. La peau, tu m'as dit. Des os et des tissus. Je sais pas comment faire pour enlever un truc en fait. On va voir ce que ça fait. Oh! Oh! Putain, heureusement que t'es là, Jean-Jean. Je pense qu'on va continuer. Est-ce que là, il est quelle heure? Dans une vingtaine de minutes, on va devoir s'arrêter. Mais je pense que la semaine prochaine, vu que là, on commence à un petit peu maîtriser le jeu et on est un peu rassuré sur ce qu'on voit, on va y retourner. Et j'espère, Jean-Jean, que tu seras là. J'espère que tu seras là. Pour nous aider dans cette quête. Et peut-être finir. Finir le jeu, se rendre dans la zone mystérieuse. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je voulais construire un truc. Oui, pour la. Comment ça s'appelle? Pour étendre de la viande. Parce que j'ai un stock de viande assez conséquent. Toute ma viande est en train de pourrir. C'est pas possible. Je vais peut-être rallumer ce truc. Hein. Et avec de l'alcool et du tissu, tu peux faire une lance incendiaire. C'est une bonne idée, ça aussi. C'est une sacrée bonne idée, je trouve. On va refaire un truc pour mettre la bouffe, c'est ça. On va le mettre à côté. On va le mettre, voilà, à côté. Et on va mettre... Putain, j'ai plein de bouffe. Je pense que j'ai rarement eu autant de bouffe dans le jeu. Pourquoi il est tout...
Il est tout nul, mon feu. Y a pas moyen d'avoir un feu plus conséquent? Oh! Ça m'a surpris! Espèce de fou! On va faire ça. On va faire un petit feu comme ça. Parce que mine de rien, il éclaire limite plus que l'autre. Et on va se faire. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, allume-le. S'il te plaît. Voilà. Et on va se faire un truc avec thé. Tiens, une salamande. Une salamande et un bout de steak avarié. Ouais, je suis comme ça. Par contre, ouais, ça m'étonne que. En fait, comment je peux le raviver ce feu? Je peux pas le relancer? Si c'est le dimanche, c'est mon birthday. Et toi aussi. Non, c'est pas du tout mon anniversaire. C'est pas du tout mon anniversaire. C'est pas du tout mon anniversaire. Je vais manger deux bouts de viande. C'est bizarre, j'entends des trucs. Non, c'est bon. C'est celui de whisky. Ouais, voilà, c'est le whisky. Toi qui te cachais depuis tout à l'heure. Je suis pas du tout du 30 juin. Hein. Je suis du 29 janvier, si pour tout vous dire. Mon personnage a froid. Et vous êtes trempé. On va faire un petit feu. Hein. Okay, attendez, on va rester 5 minutes à côté. Non. On peut pas dormir encore. Je peux pas dormir. Je vais rester 5 minutes à côté du feu. Ah oui, il y a whisky! Il se cache, le fourbe. On a soif. Faut vraiment qu'on aille chercher de l'eau demain parce que ça devient critique là. C'est la mission de demain, c'est d'aller chercher de l'eau. Il observe de loin. Donc là au moins je me réchauffe. Curieusement, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui viennent jusqu'à moi. Hein. Je sais pas si c'est le fait que je coupe pas beaucoup d'arbres. Franchement, Whisky, s'il te plaît, prends le jeu et viens jouer avec moi. S'il te plaît, Whisky, me laisse pas seul. Et franchement, pour la semaine prochaine, bah non, on peut pas la semaine prochaine, mais pour une semaine à venir, tu prends le jeu, on se fait une petite coop, tu verras, c'est miraculeux. Et si t'aimes bien les twists, je peux te dire qu'on va être servi. Pays de merde. Vous croyez qu'on peut dormir? J'ai pas trop regardé ce que je pouvais faire encore pour aller. Ça sent l'arnaque. Non, non, il y a vraiment. C'est un feu de foyer. Un feu à foyer plutôt. Ça peut être sympa. Vraiment, il y a. Ça vaut vraiment le coup. C'est. Et confiance, whisky, ça vaut le coup. Je peux dormir? Je peux pas dormir, putain. Bon, on va faire une sauvegarde parce que je suis pas sûr d'avoir fait tout à l'heure. Comment je peux être trempé? Je suis dans ma putain de baraque. Putain, il s'est éteint mon feu. Bon, on va attendre les quelques minutes avant que qu'on puisse. C'est vrai que le jeu est super sombre. En fait, je regarde l'aperçu de la vie du stream. Et... Il n'y a pas d'arnaque tant qu'il n'y a pas Poléon. C'est vrai que Poléon a la capacité extraordinaire de détruire le camp. Vous les entendez? Putain, je commence à avoir super froid. Je commence à être frigorifié en fait, je perds de la vie. S'il te plaît. Et par contre, je sais pas si les bruits qu'on entend, c'est quoi? C'est Il y a une grande bourrasque. Je sais pas s'il y a des ennemis en fait qui se baladent dans le coin. Il y avait un piaf à ma fenêtre, j'ai même pas fait gaffe. On va passer la nuit. Bon, à mon avis, il fera encore un peu nuit quand je vais me réveiller. Oh non! Je sais pas pourquoi tout à l'heure, quand je me suis réveillé, il a fait. Tout à l'heure, quand je me suis réveillé, en fait, il faisait encore nuit. C'est très bizarre. Le feu. Assoiffé, affamé. Ok, donc on va se faire de la bouffe. On va faire ça. On va pas faire la canette. On va essayer de se trouver de l'eau. Mission, trouver de l'eau. On va peut-être aller voir là-bas. Je sais que c'est safe. Et en plus, il y a un petit
comment dire, pas un lac, je suis con, pas un lac, Adouine, t'es con. Il y a un petit coin d'eau qui pue, voilà. Une mare, voilà, il y a une mare. Donc on va manger. Le feu s'est éteint. Merci, on va remettre un bout de viande. Pourquoi tu t'es éteint, toi? C'est le début de la fin et ça vous chuit. Dis pas ça, Jean-Jean. C'est bon, le varan, j'ai maîtrisé. Le varan, je maîtrise. Je sais pas ce que je vais faire avec toute cette peau de varan. Où est-ce qu'il est, le feu? Putain, mais le feu s'éteint tout le temps. Ah! Je vais être obligé de faire... Attends, je retourne à ma baraque. Je retourne à ma baraque, je vais faire... Je vais faire de la bouffe là. Voilà, une salamande. Peut-être que je vais mettre un lit, tiens, attendez. La nourriture, je m'en fous. C'est vrai que je recherche une tortue. Ça va faire 10 ans que je recherche une tortue. Le placard, je m'en fous. Le petit meuble, je m'en fous. Juste un lit, s'il vous plaît. Un lit. Un petit lit. Vous croyez que je peux le mettre là? Bah oui, je peux le mettre là. Attendez. On va le... Bon, je voulais pas le mettre exactement comme ça, mais c'est pas grave. Il faut de la peau de serre. Ah, merde. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, c'est vrai que je peux le porter directement. C'est vrai. C'est vrai, Jean-Jean. J'ai oublié. Non, mais c'est pas une petite pute qui va éteindre un feu comme ça. En plus, à l'IRL, on avait fait un feu. Il a résisté à la tempête. Bon, ça, c'était pas normal. C'était physiquement impossible, par contre, qu'il résiste à la tempête, le feu. Mais c'est... Puis de merde. On va aller chercher... De l'eau. On va aller chercher de l'eau. Adwin versus Wild. C'est comme ça qu'on va l'appeler la rediff. En espérant qu'il y en ait d'autres. Surtout si Whisky nous rejoint. Si franchement Whisky me rejoint, je termine le jeu. Je vous fais la promesse. Si Whisky vient avec moi, je le termine avec vous. Ça veut dire les grottes. Ça veut dire les grottes dans le noir. Ça veut dire les trucs bizarres avec 8 pattes. Et ça veut dire beaucoup d'emmerdes. On va aller voir la flaque. Tout est entre tes mains, Whisky. Le destin. Ça a pas repoussé, ça. J'ai pas l'impression qu'il y avait ces arbres tout à l'heure. Bon, en tout cas. On va aller chercher de l'eau. Parce que j'ai pas mangé. Attendez, je suis remonté dans ma cabane. Et j'ai posé le feu. Non, j'ai posé le lit. Et j'ai pas mangé. Je suis vraiment un gros teubé. Je suis carrément un gros teubé. Bon, en tout cas, on va chercher de l'eau. Parce que ça devient critique. J'ai plein de barres. On va les garder, les barres. On va garder les barres pour plus tard, pour vraiment quand ça sera la merde. Genre quand on sera dans des grottes. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, ça. Non, ça. Alcool. Oh, de l'alcool. Whisky, il y a de l'alcool en plus. Tu peux boire. Je mange... Non, mais c'est une pomme. Le mec, il mange une pomme. Il a deux doigts de mourir, quoi. Ah, le citadin, quoi. Bon. Bon, bon, bon. On va reprendre la gourde. Ok, tu le prends. Oh, merde. On va remplir la gourde. Voilà. Donc, on a de l'eau dans la gourde. Et la gourde, on peut... Je sais plus comment faire. Boire. Voilà. Donc, désormais, on a de l'eau. Non, mais arrête de te noyer dans un verre d'eau. J'en viens à la remplir à nouveau, en fait. C'est juste pour vous montrer comment ça marche, mais... Ok. Bon. Qu'est-ce que je voulais... Oh, putain, attendez. Ah, il est parti, le con. Je vais me capturer le piaf. C'est vrai qu'on est toujours à la recherche de la tortue, mais désormais, c'est un peu moins utile que prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, si tu le prends, il y a vraiment moyen qu'on se fasse des trucs... Tiens, un store shooter. Ah merde, j'ai plus de place. Ça sert à rien que je tue les piafs, en fait, j'ai plus de place dans mon sac. Merde, je suis con. Y a pas d'alcool, tiens, on va prendre ça, on va prendre ça. Mine de rien, je préfère partir par là que partir de l'autre côté. Là, au moins, c'est assez safe. Et je pense, comme il est 17h55, on va les manger. On va peut-être faire une sauvegarde et on va prévoir ce qu'on fera pour la scène d'après. Attendez. Merde.
Attendez, j'ai perdu mon bâton. C'est bon, il. On va prévoir ce qu'on fera pour la semaine suivante. On a les plans qui ont été un petit peu chamboulés. Bah, mais, par contre, si la semaine suivante, il y a mon cher Whisky qui me rejoint, ah bah, on repartira dans une nouvelle aventure, évidemment. Parce qu'on pourra pas, je pense pas qu'on pourra reprendre celle-ci. Mais en tout cas, on va pas faire le con. On va retourner au village. On va boire, on va manger un truc. Je vais peut-être essayer de trouver une biche pour finir mon lit. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir un lit, mais j'ai envie d'en avoir un. C'est purement cosmétique, je pense. Pas dimanche prochain. Bah oui, mais dimanche prochain, on sera peut-être pas là. D'ailleurs, il faudra que je dise que je suis pas sûr de pouvoir venir. Whisky. Faut pas faire des trucs comme ça le dernier week-end du mois. On a plus d'argent. Bon, une biche. Oh putain, regardez là-bas. Ils sont chez moi. Ils sont chez moi. Barrez-vous de mon champ, Romano. Ils viennent voler ma viande. Et mes rondins. Oh. Ça m'a étonné, pourquoi il y a un cadavre sans jambes ici? C'est bizarre. Oh putain, ils sont chez moi. C'est vrai que tout au début de l'aventure, il y a 2 heures, enfin 1h30, putain, ils sont là. Il faut la musique. Attendez, juste 2 secondes. Attendez juste 2 secondes. Attendez un peu plus parce que je galère à trouver ce que je veux. Voilà. C'est ça que je veux. J'entends plus le son du jeu, c'est parfait. Il est parti. Ils sont partis en fait, donc. Bon, bah. Au canoncier. Oh, et franchement, t'imagines, gars, si on avait un canoncier ou même une vraie arme à feu. Comment ça serait le kiff? En fait, tu passerais de proie à chasseur. Franchement, je partirais dans la. Attendez, ma souris s'est barrée. Je partirais dans la forêt pour me faire un massacre, ça serait génial. Enfin, génial, autant que puisse être un massacre d'autochtones. Mais... on va manger, parce que je suis en train de décéder. Je n'ai... On va mettre 2 gros steaks. On va rester attentif. Faudrait que je coupe cet arbre-là. Cet arbre-là, il fait chier. Faudrait que je coupe, en fait, plusieurs arbres autour de ma cabane pour les voir arriver, parce que là, c'est un peu la merde. On va manger. On va peut-être couper un arbre ou deux. Attendez, déjà on va manger. On va rallumer ça. Voilà, merci. Je suis en train de décéder. Quand, je sais plus qui c'est tout à l'heure qui m'a dit que mon personnage était affamé, mais regardez la jauge en fait. Tu peux vraiment la finir. Non, c'est un piaf. Tu peux vraiment totalement terminer la jauge, c'est pas un problème. Il y a une arme à jeu dans le. Non, une arme à jeu. Attendez, je mange. Dans le jeu, en fait, il y a une arme à feu que tu dois reconstituer. C'est une sorte de... C'est un vieux canon à poudre, en fait. Et donc... Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Oh! Je peux le tuer? Non, je peux pas le tuer. Il faut que tu le reconstitues. C'est un peu galère. Parce qu'il faut que tu trouves des... Bah, il faut que tu trouves tous les emplacements. C'est un peu la merde. Et je sais même pas si ça fait beaucoup de dégâts, en fait. Donc, je sais vraiment pas si ça vaut le coup. On va essayer de constituer le peu de lit que je peux faire. Ouais, bon, c'est pas terrible. Bon, bah, il est 18h. Je prends une sauvegarde. L'arme à feu ne fait rien en dégâts. Oh, c'est dommage. Tu l'as fini, le jeu, Jean-Jean? Ça m'intéresse. Donc, ça fait 2 heures. Je pense qu'on va s'arrêter là. Loupé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra le jeu peut-être la semaine prochaine ou peut-être celle d'après. Ça dépendra si je suis dispo. En tout cas, c'était vraiment super cool. C'est un jeu, comme je disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'aventure, sur lequel j'avais énormément d'appréhension parce que c'est un jeu qui vraiment c'est la thématique du jeu. En fait, ça m'effraie. Des cannibales dans une forêt profonde, moi, ça me titille énormément. Vous avez pu le voir, à mon avis, à certains moments. Et surtout, à mon. Vous avez pu le voir grâce à mon. Oh putain!
Voilà, par exemple, pour ce genre de détails, c'est pas normal, ça fait pas ça les arbres! Bon, bah, visiblement, ils ont une durée de vie. Je savais pas. En tout cas, on se retrouve, comme je disais, sûrement la semaine prochaine ou celle d'après pour la suite de ce jeu, peut-être en compagnie d'ailleurs de Whisky, ce qui serait vraiment super cool à faire pour le terminer en live avec vous, ou alors avec les autres cons, ce qui serait encore mieux d'ailleurs. Donc voilà, moi je vous dis. Vous avez souvent vu en fait ce fond aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine ou à celle d'après. C'était super cool. Allez, salut les gars.